T'as pas l'impression de me faire chier là? J'aimerais tourner une vidéo, mes mères, s'il te plaît. Ah, mais dégage-toi là! Mais t'es sérieux? Eh, je veux tourner une vidéo moi! Comment je fais pour faire ma vidéo, ma carrière? Dégage! Dégage! Putain! Vas-y, on va voir c'est qui le favori pour le titre de MVP? Stephen Curry, Durant, pas vous du Nord. Mais t'es sérieux, mec? Mais c'est toujours Curry, c'est toujours Durant! Non, mais t'es sérieux quoi? Mais allez, nique qui vaut. Comment ça va, je suis sûr que vous êtes à la forecast, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis, on est sur NBA 2K16, c'est une seule ma carrière avec le petit junior des familles les amis, et nous avançons pas long, gentiment sur la fin de la saison, regardez, il reste plus beaucoup de matchs, on va jouer là les amis contre les Chicago Bulls, nous allons aussi avoir quelques petits matchs, on arrive sur la fin de saison régulière pour les playoffs, donc certainement la dernière vidéo sur la saison régulière tout simplement, je vais vous montrer rapidement mes attributs les amis, donc je suis monté à 93 de général au niveau de mes insignes et atouts, je vous les montre très rapidement, donc roi du renversement, size of coup fétiche, tête backer, démolisseur, intercepteur, big pocket, pour de l'esquive, contre-attaque, blablabla, tu vois ce que je joue ou pas? Au niveau du leader de la ligue, je suis deuxième derrière Stephen Curry avec 29,9 points par match, 6,9 rebonds, 9,5 passifs, 1,5 interceptions à compte par match et 3 petites paires de balles, ce qui est, ça va, ça passe, c'est pas dégueulasse. Au niveau du classement de confiance, on est premier avec un bilan de 52 victoires pour 24 défaites, donc c'est pas dégueulasse, mais il y a les Nets qui sont deuxième, s'il te plaît, j'aime pas comment ils ont fait, mais ils sont deuxième. Nous, là, on va jouer contre les Chicago Bulls. Les gars qui sont 3ème, les Cavs qui sont 4ème. Ensuite, bon, je suis assez déçu des 24 défaites. Il faut savoir que, après, j'aimerais bien avoir un petit record, gagner beaucoup plus de matchs. Après, on verra. Au niveau de l'Ouest, ce sont le Thunder qui sont premiers, les Warriors, Phoenix, San Antonio, les Trailblazers. Voilà le classement à peu près, les amis. Donc, on se retrouve pour le début du match. On va jouer contre les petits Chicago Bulls des familles. Et puis voilà, donc on va parler. Ok, les potes, on est parti pour ce petit match des familles pour jouer contre les Chicago Bulls, les amis. Les Chicago Bulls hein, qui ont recruté le petit joueur que j'ai sur moi, le petit D-Wade, bon, il retourne à la maison. Bref, on va pas revenir là-dessus, hein, il y a les vidéos d'NBA Actu qui sont là pour ça. Bref, on se retrouve pour une petite vidéo sur le mode ma carrière. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait un match ma carrière avec Wood Junior en saison régulière. La dernière fois, on était sur le All-Star Weekend, rappelez-vous, donc ça fait vraiment bizarre. Profitez aussi évidemment de voir à l'écran le petit D-Wade qui joue 8 tout simplement. Après, au niveau de mon équipe, apparemment, il y a eu un petit transfert. Avec, Harris qui vient d'arriver, Trevor Harris, si je te dis pas, non, Tobias Harris, pardon. Tobias Harris, les amis, qui vient d'arriver, hop, vas-y mon pote, tu finis. Mais à jouer ça, petit positif pour commencer. Tobias Harris qui vient d'arriver, donc le match d'avant, on a perdu contre les Trailblazers, savoir qu'on était sur une série de 11 victoires consécutives. Faut savoir que, tiens, il y a Derrick Rose aussi qui, oh, magnifique la passe. Derrick Rose qui joue en face aussi, les amis, profitez de le voir. Pogazol, bref, il y a pas mal de joueurs qui sont en face qui, voilà, ils sont IRL, ils y sont plus, donc profitez. Ah, puis je t'ai vu, D-Wade, prends le shoot, et tu le mets, mon pote, tu le mets. Dommage, oh le rebond, dommage. Donc, bref, en tout cas, les amis, sur cette vidéo, on va parler un petit peu de tout de rien, on va parler un petit peu de mes projets, on va parler un petit peu quand même, évidemment, de Duncan qui, avec ses 19 saisons, vient de prendre sa retraite, même si. Non, pas de N1, c'est bon. Même si. Avec, honnêtement, très honnêtement, je m'y attendais. Moi, personnellement, je m'y attendais. C'était. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce qu'ils prennent sa retraite avec, avec ses 19 saisons maintenant. Surtout qu'ils n'ont pas fait une saison de l'espace. Enfin, l'espace, ils ont fait une saison régulière de l'espace, mais ils ont fait des playoffs un petit peu bidon. Ils se sont fait sortir par le Thunder qui était juste explosif à l'époque où il y avait encore. Il y avait encore Durant qui joue là-bas. Bref, tu vois ce que je dis ou pas? Hop, je t'ai vu l'ami. Tu prends le shoot et tu le mets. Mets-le, mon pote. Bien joué, ça, la petite passe D encore. 4-1 pour nous, on commence bien. On commence bien le match. Bah, double passe décisif. Voilà, c'est tout. Hop, vas-y. Je vais défendre sur Derrick, les potes. Tu passeras, mon pote. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir tester quand même le NBA 2K17 avec les Knicks. Franchement, les Knicks, ils ont comme une sacrée équipe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, il y a plein de petites équipes auxquelles j'ai vraiment hâte. J'espère aussi qu'au niveau des Hawks, mais c'est pas forcément une équipe que j'ai. Que j'ai dans le cœur. J'espère que Howard il va se réveiller. Howard il va faire une bonne saison avec les Hawks. Franchement, ça me ferait plaisir. Hop, je t'ai vu là. On prend son temps. Isolation face à Butler, les gars. Hop, allez, je te baisse, Boto. Je te baisse, Butler. Je te baisse, Butler. Ah, c'est bon, on récupère. Wouh, j'ai peur. Et en plus, c'est moi qui prends le shoot. Et je le mets, les gars. Et de 1, parfait. On récupère le ballon et on en parle le hop. On en parle le hop. Ça me fait aussi bizarre de faire une vidéo maquillage. Comme je dis, que ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo maquillage. À peu près 2 semaines que j'ai pas tourné une vidéo sur la. En saison en guerre sur le maquillage. Putain, bien joué ça. 3 points. Ça c'est vraiment bizarre. Donc excusez-moi si parfois je vais bafouiller un petit peu. Si parfois je vais dire un petit peu n'importe quoi, je m'excuse. Ça fait un peu bizarre, ouais, 2 semaines de commenter une vidéo de 40 minutes. Hop. Dommage. Mauvaise défense.
On défend, les gars, on défend. D-Wild, ça passe up. Je vous rebond. Il la met pas et je prends le rebond. Là, on parle de up. Voilà ça, ce kill, papa. Je l'avais dit, moi, pote, que c'est moi qui allais la choper. Je bande un écran, mon petit Hassan. Merci. Hassan, mec, je l'ai rajouté sur Snap. Il te fait des stats du turfu, mon gars. Hop, oh, je t'ai vu. Oh, je t'ai vu. Oh, dommage. Hop, ici l'ami, tu rejoues avec moi. Je vais te demander de te démarquer vers le panier, mon pote. Hop, je t'ai vu, tu la mets. Mais non! Mais non, la petite perte de balle, il m'en fout pas plus. Oh, bien joué ça! Oh putain, vas-y, mes gros schlags, va, gros château de mes couilles en ski là. Allez, défense, les gars, défense, défense. Je vais sur lui, on défend. C'était pour le saut, c'était pour la photo, les gars. On défend aussi, c'était pour la photo aussi. Mais on s'est fait bolos comme des merdes. Pas grave. Allez, un point, un rebond, trois passifs, une petite perte de balle, les amis. 8 à 3. Pour nous, il reste 5 minutes avant la fin du premier quart-temps. Comme j'ai dit, on va parler un petit peu de mes projets parce qu'au niveau de. Hop, je t'ai vu la balle, ami, tu finis le deux deck. Bien joué ça, encore un petit passe décisif. J'aimerais bien aussi. J'aimerais bien aussi faire un petit peu plus de passes décisives sur la fin de la saison. Si j'arrivais à faire 12-13 passes décisives par match jusqu'à la fin de la saison régulière, ce qui pourrait me permettre d'avoir. Hop, on est sur un CT. Oh, le bataille, là, niqué. Hop, on défend, on défend. Hop, voilà, bien joué ça, mon petit poche là. On est à la maison, mon pote là. Hein. Allez hop, je t'ai vu à droite. Tu prends le shoot ou pas? Non. Vas-y, je décale à droite, tu m'as vu. Je mets dans le vent, voilà, bien joué ça. Ah, je vais la perdre, je vais la perdre, je vais la perdre, je vais la perdre, je t'ai vu là-bas. Putain, c'était sûr! Je commence trop mal le match, les gars, avec mes deux pertes de balles, là. J'essaye de bien jouer, mais je prends trop de temps à faire mes passes, là. Je sais pas... Je fais 4 passes D, ouais, je fais un point, un rebond, bon, c'est pas dégueulasse! This is my fucking home, bitches! T'as cru quoi, là, mon gars? T'allais mettre un panier sur ma tête, comme ça? Ah, putain, bien, si je t'ai vu, tu prends le shoot et tu mets en appareil le hap, je rebond. Et voilà, mon pote! C'est kill, papa! Le rebond, le petit altruisme, le petit passe D, c'est fait, on en parle le hap! Allez, un point, un rebond, 5 passes D, je mets pas beaucoup de points, dernièrement, je fais beaucoup de passes. Mais j'aimerais bien... Ah, le bas! Ok. Ok, respect. Respect, Derek. Respect. En plus, tu t'es pas blessé quand tu l'as fait. Pas de soucis, mon pote, respect. Bref, j'ai dit que je parlais un petit peu de mes projets, donc j'en ferai certainement une vidéo spécifique vers le mois d'août, je pense, quand j'aurai ma nouvelle caméra, etc. Parce que je vous avais parlé que j'allais recevoir. Enfin, j'allais bientôt investir dans une nouvelle caméra, une Gen 7X de très bonne qualité. Donc j'utiliserai toujours ma webcam pour. Je vais perdre le balance si je te la donne. J'utiliserai toujours cette webcam pour faire mes vidéos YouTube en carrière, etc. Parce que ça suffit largement. Mais pour tout ce qui est. Enfin, j'ai beaucoup de projets comme des déplacements, des vidéos training. Pas loin de. C'est loin d'être du. C'est loin d'être du tuto, hein, loin de là. C'est vraiment des vidéos qui peuvent changer un petit peu. Pour vous rapprocher un petit peu plus de moi, vous êtes nombreux à me demander des vidéos training de basket, des vidéos rencontres abonnés, des déplacements, etc. Enfin, des trucs un petit peu plus différents. Hop, je te baise, mon pote. Allez, mon pote, tu vas faire quoi? Et lâche-moi. Mais oui! Ça c'est parfait, mon pote! Allez, les 5000 fans! Je te brise les chevilles, désolé, Derek. Je suis désolé, mon pote. Je sais que t'es fragile en plus. Allez, 5 à 15 pour nous. On commence très bien le premier quart-temps. Après, moi, au niveau de mes paires de balles, je suis un petit peu bidon. Je m'excuse, je pars un petit peu dans tous les sens. Je bafouille beaucoup. Je m'excuse vraiment beaucoup, énormément, à la folie, passionnément, pour toujours. Voilà, bref. Et je fais beaucoup de. Tu vois, je cherche beaucoup mes mots aussi un petit peu, tu vois. C'est un petit peu. Bref, je m'excuse vraiment. J'espère que vous allez être un petit peu. Voilà, c'est vraiment une reprise sur les vidéos de Macarena, donc ça me fait un petit peu bizarre. Hop, oh, là, si je la mets, les gars, c'est parfait. Ah, oh, c'est dommage. C'est dommage, les gars, je pensais vraiment que vous voulez la mettre un petit peu à la QI, le petit écran. Hop, on y va en défense. Non, mais il n'y a pas faute, là. Il a simulé, monsieur l'arbitre, là. Le coach va me sortir, en plus, il y a Dragibus de Kelovs qui va rentrer à ma place. Voilà, non, il me sort pas. Non, je passe à rien, apparemment. Ok, je suis le seul à rester, bon, tant mieux, tu me diras. Le rebond, les gars, dommage. Allez, 4 points rebond, 5 passes D, c'est quand même que je score un petit peu quand même. C'est un petit peu mon objectif, je suis un petit peu scoreur. Bon, en tout cas, Dragic, il est passé de titulaire, donc ça va me donner. Hop, je t'ai vu l'ami. Ça va pouvoir me permettre de. Oh, tu m'as vu, je finis. Mais non, mais t'es sérieux? Comment je peux louper ça, sérieux? On dirait moi dans la vraie vie quand je m'entraînais à côté de chez moi. Mec, je suis à côté de l'arceau, je te mets un panier, mais oh, s'il te plaît, quoi. Non, mais mec, il est passé le respect, hop, et en plus, il le met. Allez, 11 à 15, 15 petits, 4, pardon, 4 petits points d'avance. Hop, je te fais un petit écran, même si c'est pas mon objectif, c'est pas mon taf. Tu t'en bats les couilles total, ok, mais pourquoi tu me la mets maintenant? Tu m'expliques? Vas-y, je vais chercher, tu m'as vu. Et là, je finis, hop, la petite feinte, bien joué, c'est Len One, ah, c'est dommage. La petite feinte, elle était bien vue. Ouais, donc je pars un petit peu dans tous les sens, bref, j'ai dit un milliard de fois, mais bref. Je reprends le training, ça fait quelques jours que j'ai repris mes entraînements, donc vous êtes très nombreux à me demander de me remettre au basket, etc. Donc ça fait des années que j'avais pas joué au basket, donc j'essaie de me remettre. Pour moi, je galère pas mal, j'essaie de me, justement, par rapport à la caméra,
pour revenir là où on en parlait, j'essaierai de vous filmer quelques petits entraînements de temps en temps quand je serai avec des abonnés, etc., qui sont sur La Roche-sur-Yon. Si d'ailleurs vous êtes sur La Roche-sur-Yon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je puisse rentrer en contact avec vous via Snapchat ou Twitter, ou carrément rentrer en contact avec moi avec mon adresse mail thepafouille@gmail.com. Ce qui pourrait être cool de pouvoir se rencontrer un petit peu, j'aime beaucoup ça. Il y en a pas mal d'entre vous que j'ai déjà rencontré. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Vas-y, prends le shoot, mon pote, tu les mets au calem. Je vais au rebond. Bien joué, ça, mon petit dragibus. Bien joué, mon pote. Un petit passif en plus. Je pense à Yomac, je pense à Suprême, à quelques abonnés que j'ai rencontrés à la salle de muscle, etc. Avec qui j'ai créé comme des petits liens d'amitié, franchement, qui sont pas dégueulasses, si tu vois ce que je veux dire. Hop, défense, mon pote. Et avec qui je vais certainement aller m'entraîner cet été. Petite défense. Non, le petit rebond. Non, 6 points, rebond, 6 passes D. On est pas dégueulasses, les gars. Sauf au niveau du rebond, on est un petit peu dégueu, mais ça va. Hop, petit écran. Je t'ai vu, l'ami. Je vais dans la raquette, je vais dans la raquette. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire la feinte là. J'ai appuyé un petit coup rapidement sur X, mais c'est pas ce que je voulais faire là. Hop, je passe sur toi. La défense, les gars, sur Joachim. Colle-le un peu plus. Il va prendre le shoot. Non, ok, j'ai dit de la merde. Allez, les gars, ça passe. Hop. Dommage. Hop, le petit 3 points, je vous rebond, mais le mec. Heureusement qu'il est là, lui, pour penser ses tirs à 3 points. Hein, parce que sinon, je pense qu'il serait vraiment à la rue, les boules, ça. Parce que là, franchement, on sort un bon petit match. Un petit écran, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Allez, Johnson, tu fais un petit pressing, s'il te plaît. Johnson, s'il te plaît. Non, mais allô, Johnson. Hop. Tiens, l'ami. Je suis dans la raquette. Non, tu t'emballes. Et là, tu la mets. Dommage, le fait de louper. Fin du premier quart-temps, les amis. 16 à 20 pour nous, 6 points, un rebond. 6 petites passes d'ici, fait 2 fucking paires de balles. Donc, premier quart-temps un petit peu difficile, je dirais. Assez altruiste, quand même. Mais plutôt difficile, je dirais, pour moi. Un petit peu de mal à parler, etc. Même si j'ai beaucoup de choses à vous dire, honnêtement, dans cette vidéo. Mais je galère vraiment. J'espère vraiment que vous allez être compréhensif là-dessus. Le petit temps a pris au bout de 2 semaines sans vidéo ma carrière avec commentaire de 40 minutes. Donc bref, j'essaie de... À propos de la défense sur Paf Hood Junior. Ça, c'est pas, j'espère que sur le prochain tout cas, ils feront les traductions, parce que c'est bien beau de dire des trucs super sympas sur nous, mais... je dis pas que... Je parle très bien anglais, tu vois. Moi, personnellement, je comprends, tu vois. Je sais ce qu'il dit, etc. Tu vois, il a dit que j'étais très bon et tout, tu vois. Mais bon, voilà, quoi. C'est pour vous, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Hop, défense, bien joué ça. On va au rebond. Bien joué ça, mon petit boy des familles qui a toujours ces petits problèmes de cailloux sans rien. J'espère que, honnêtement, j'espère pour lui, ça. Qui va revenir parce que en plus il coûte une putain de fortune ce joueur, donc hop, allez mon pote, faut les faire tourner un petit peu. Je t'ai vu du white, tu la prends, tu fais un petit écran. Non, tu t'en bats les couilles, il s'en bat les couilles. Pourquoi tu me la mets direct là? Laisse moi le temps de me déplacer un petit peu. Hop, ok, il va tout seul. Oh le bâtard, oh la brique qui m'a filé. Oh le bâtard, mais t'es sérieux mec? C'est quoi cette brique là, sans déconner? Hop, D-White, dommage. C'est quoi cette brique que tu m'as donné, D-White, sérieux? Allez, on a notre 2 à moi, 6 points, rebond, 6 passes décisives, les amis. On est à 25-29, ça court pas beaucoup sur ce match-là. Hop, on y va, je t'ai vu, D-Wide. Tu prends le shoot, non, tu t'en balèques. Tu m'as vu. Oh, bien joué, ça. Bien joué, ça. Allez, 6 petits points d'avance. Donc, bref, je vous avais parlé que voilà, j'avais des projets de faire quelques petits tournages à l'extérieur de chez moi. Un petit peu plus différent. J'avais aussi quelques petits projets, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo spécifique, je pense. Où je souhaiterais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais, pourquoi pas, faire un petit peu comme faisait à l'époque Zartri, un petit top 10 dunk sur NBA et action, ce qui pourrait être vraiment sympa. On en parlera lors des prochaines vidéos, mais n'hésitez pas à me dire déjà vous ce que vous en pensez dans les commentaires. L'idée, ce serait tout simplement de vous faire un petit peu bosser, entre guillemets, de vous faire un petit peu participer dans la chaîne YouTube, dans le sens où vous me balanceriez sur ma chaîne, sur mon adresse mail, des dunks, vos meilleurs dunks, vos meilleures actions, etc. Puis moi, je ferai un petit classement de top 10. Par rapport à ça, ce serait juste... moi, je vous mettrai en vidéo. Après, j'aurai un autre projet, mais un peu plus tard, quand je serai moi un peu meilleur au niveau du basket, de vous proposer un petit top 10, un petit concours à chaque fois où je vous mettrai au défi, etc. Hop, je t'ai vu, D-Wide. Tu prends le shoot, tu le mets au cam, je vous rebond KO. Mais bien joué, ça. Je sais même pas pourquoi je me fais chialer au rebond, mon pote. Tu les mets tous. 6 points rebond, 7 passes D. Un petit top 10 ou un petit top 5, un truc du genre où je vous mets au défi de faire des actions IRL chez vous, dans vos parcs, dans où vous voulez, sur des défis au niveau du basket, des points, des dunks, etc. Et puis le premier, il a un cadeau, etc. Enfin, ce genre de choses-là qui pourraient vraiment être sympathique, mais après, faut que ça se mette en place, faut que moi je sois meilleur, etc. Parce que je me dis tout simplement que avant de vous demander de faire des beaux trucs, faut que moi je sois capable aussi de les faire, tout simplement. Ok, je vais dans la raquette. Non, hop, tu m'as vu, je prends le shoot et je le mets au calme.
Voilà, bien joué ça. 36-25 les gars, 11 points d'avance. 8 points, un rebond, 7 passes décisives. Je score pas beaucoup dans ce match, mais je fais un match assez complet. Et les gars, défense. Après, j'avais d'autres projets au niveau des déplacements, mais on en reparlera un petit peu plus tard, les amis. À voir comment ça évolue. Dommage pour l'interception, je vais en aller. Ah, bien joué ça! Bien joué, mon petit Chris des familles. Hop, tu m'as vu. Hop, tu vas et tu la mets. Non! Mec, t'es sérieux? Pourquoi je suis maudit comme ça là? 3 paires de balles. 3 fucking paires de balles là. Putain, mais tu peux pas me laisser faire mon beau petit geste là. Ça aurait été joli, non? Pour la vidéo en plus. Et en plus, il a, mais allez. Allez, 28-36 les gars. 1 minute 50 avant la fin de la première mi-temps. Pour le moment, je suis assez polyvalent. Je prends pas beaucoup de rebonds. Il y a quand même ces 3 paires de balles qui gagent vraiment tout. Sinon, au niveau des passes dés, je suis pas dégueu non plus. Difficulté superstar, on est pas en Hall of Fame. L'objectif c'est vraiment de gagner, c'est aussi de mettre au moins mes 30 points par match, ce qui pourrait être cool. Perdre un peu moins de ballons, parce que rappelez-vous avec Papa Ou la première saison, j'aurais dû être Hall of Fame. J'aurais dû être MVP de la saison régulière, mais je perdais trop de ballons. Hop, je t'ai vu à gauche. Hop, tu m'as revu. D-Wade, non, tu veux pas jouer avec moi. On s'en bat les couilles. Hop, je t'ai vu là. Pourquoi tu me la mets direct? Attends un petit peu que je construise ou je sais pas, je fasse quelque chose de sympa, tu vois. Chris Bosh aux 3 points. Dommage. C'était un peu. Pas forcément un peu compliqué. Défense, les gars, défense. Concentre un minimum en mode concentré de Thomas. Au lieu de dire de la merde, de bafouiller comme un porc depuis le début de la vidéo. Paf en mode bafouillation. Bafouille totale, bafouille royale. Je sais pas comment appeler cette vidéo, mais. En tout cas. Oh, mais mec, t'es sérieux, mais. Non, mais sérieux. Mais il est excellent aux 3 points, quoi. 5 sur 5 sur les tirs. 12 points. Mirotic, au calme, quoi. Hop, les Bulls qui l'année prochaine ça va être un peu compliqué quand même pour eux. Ils ont Rayron Rondo, D-Wade, Jimmy Butler, mais ça va quand même d'être assez compliqué. Je t'ai vu à gauche, tu prends le shoot, non, tu t'en bats les couilles. Isolation les gars sur Butler. Hop, allez, je te baise mon pote. Je te baise mon pote. Allez, j'y vais. Hop, on prend le shoot et on la met au calme. Oh putain, un tir forcé, mais mon cul que c'est un tir forcé là. Allez, 31-36, 5 petits points d'avance seulement. Défense. Allez, D-Wade debout là. Je suis à 2 sur 8 les gars au niveau des tirs. 2 sur 7, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, tiens mon pote. Hop, tu m'as vu à l'intérieur. Voilà, bien joué Salen One. Ah, c'est dommage. Je galère au niveau des tirs dernièrement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je galère de ouf au niveau des tirs. Allez, 37-33 les gars. Je passe arrière. Voilà, 2 sur 2, parfait les amis. On continue comme ça, pour moi on fait la course en tête, mais ça score vraiment pourri un peu. Un petit peu à l'image de mon pourcentage en fait. Hop, on passe derrière, va la mettre à Jimmy. Non, il joue tout seul en isolation. Sur Dragibus. Voilà, bien joué ça, mon pote. C'est ça qui fait plaisir. Hop, tu m'as vu. Et là, je vais finir. Mais où le dédéduck, mon gars? On avait besoin de ça. Pour la confiance, mon pote. Pour le spectacle. Allez. Bien joué ça. 12 points en rebond. 7 passes décisives, les amis. Allez, bien joué. Il va jouer le temps. Il joue le chrono, les amis. Ok, ça veut dire pareil, mais on s'en balèque. De toute façon, voilà, je bafouille, passe en mouf, voilà, bafouillation, bafouillator, attends, voilà. Allez, rigole. 4 secondes, on va l'aider. Ah, je suis dans le vide. Il a mis le schlag, t'es sérieux. Allez, 5 points d'avance avant la mi-temps, les gars. Voilà, fin d'après mi-temps, 35-40. Première mi-temps, assez bafouillation comme le premier carton. Je suis vraiment pas pressé au niveau de mon shoot, je mets 10 points, mais... C'est pas du tout à l'image, hein, parce que franchement, je shoot vraiment mal, je prends des mauvais shoots. Après, je suis altruiste avec mes 7 passes D. Je perds 3 ballons, c'est quand même assez dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite blague des familles? Mais ouais, c'est assez compliqué quand même ce match. Je galère un petit peu dans tous les points de vue, j'ai envie de te dire. Quel point faible sur le défense, je laisse me coéquiper pour le jeu, voilà. Je galère vraiment dans tous les points de vue, que ce soit au niveau de moi, de ma façon d'être, de parler, etc. Pourtant, j'avais beaucoup de choses à vous dire, etc. Tu vois, mais il y a des fois, voilà, comme ça, où t'as un petit peu de mal. Tu galères un petit peu, mais c'est pas une excuse, hein, c'est vraiment que ça faisait 2 semaines donc. Quoi, ça fait 2 semaines que t'as pas fait de vidéo sur 40 minutes, c'est un peu compliqué. Bah après, là je suis sur retour sur un paf OKLM de type affiliation. Bon, bref. En tout cas, fin de la première mi-temps, on va essayer de faire une deuxième mi-temps un petit peu mieux. Essayer de prendre un peu plus quelques shoots. Je sais que je croque pas mal la balle, mais c'est un petit peu mon style de jeu, je croque beaucoup. On va essayer de distribuer pour avoir notre petit double-double. Bon, on a seulement 3 passes D, donc c'est assez facile comme de faire des passes D sur des Hassan, des D-Wade, des Chris Bosh. Mais surtout, faut qu'on essaye vraiment, vraiment, mais vraiment de scorer un peu plus et de prendre quelques shoots ouverts. Et puis voilà, ça devrait le faire comme ça. Hop, on voit rebond les potes. Voilà, bien joué ça, allez hop. On commence bien les gars avec notre petit rebond. Je t'ai vu à droite, tu m'as vu derrière, je t'ai vu Chris. Tu le mets mon pote, tu le mets.
Ah, dommage. Allez, 5 points d'avance, les gars, on revient en défense sur le petit deck des familles qui s'est pas encore blessé, ça fait plaisir. C'est un peu bâtard quand même ce que je dis, non? Non, mais je suis pas sur Pogazon, les gars. Hop, Derrick. Une petite interception aussi pour la route, ce serait pas dégueu. Bien joué, la défense. Voilà, c'est ça qu'on a. On reprend tranquille, les gars. On reprend tranquille. Dis, ouais, tu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai demandé à quelqu'un de se démarquer, mais j'ai même pas vu c'était qui. Hop, je t'ai vu à gauche. Prends le shoot et tu le mets. Bien joué, ça, petite passe décisive. Bien joué, Chris. Avec Chris, vous allez nous aimer. Allez, les amis, rival. 12 points, 2 rebonds, 8 passes décisives. Allez, les potes. Une petite interception pour la route. Mais non, mais d'où il y a faute là? Sérieux, c'est lui. Non, vas-y quoi. Je sais même pas quoi dire, je galère tellement, je sais même pas quoi dire. D'habitude, tu vois, j'ai de l'inspiration, j'arrive à. Voilà, ça sort tout seul quoi, qu'est-ce que tu veux toi? Ça sort tout seul, tu vois. Mais là, je t'avoue, je galère. Galère ma puce. Hop, voilà. Pour ceux qui se demandent, c'était qui le chat que vous avez vu tout à l'heure? Toujours la maladie de curfew. Le chat que vous avez vu tout à l'heure, c'est le chat de ma copine. Hop, allez, les gars, on y va. On contre 1, on contre 1. Non, je t'ai vu Chris, il va prendre le shoot, il est meilleur, on a pas le up. Mais oui mon pote, Illuminati mon pote, qu'est-ce que tu crois? 14 points, 6 sur 9 pour lui, 2 sur 4 à 3 points. Excellent, excellent Joseph, excellent. Hop, interception, non ça marche, hop. Dai Cruz, il est chaud comme à défendre. J'espère, c'est pas rien, pour parler tout à l'heure, je vous parlais de Ward, auquel j'espère vraiment qu'il allait retrouver un bon niveau de jeu. Oh le Noël. Auquel j'espère vraiment qu'il va retrouver un bon niveau de jeu. C'est pareil vraiment pour Derrick Rose, hein, j'espère vraiment que son nouveau départ au Knicks avec Joachim Noah, avec Conley, avec tous ses coéquipiers qu'il a, franchement, ça va être un bon départ pour lui. Et qu'il va bien se remettre. Voilà, bien joué ça. On prend le shoot, les gars. Et on le met, on en prend le app. On est sur Jimmy, les gars. Défense, défense. Non, mais mec, Tobias, c'est mon joueur là, les gars. La défense. Oh, oui, c'est le bordel. Le N1. Ils ont de la chatte quand même. Hein. Ils ont de la chatte de ouf quand même, hein. C'est un truc de malade. 2 points d'avance seulement. Allez, c'est parti. Vas-y, on se met paf en mode de ouf là. Paf en mode ouf, les mecs. Un petit écran, s'il te plaît. Après, il faudrait que j'essaie aussi d'apporter un peu de nouveauté celui de Macar, 40 minutes, à avoir des gens avec moi pour parler sur quelques sujets, un peu comme quoi le dernier Wax. C'est pas pour plagier ou quoi que ce soit, mais ça pourrait être sympa quand même, apporter un petit peu de nouveauté des fois. Hop. Bon, après, on verra surtout pour. En tout cas, 17, maintenant que dans 2 mois seulement, il y a le tout cas 17 qui sort. Donc, histoire d'apporter un peu plus de nouveautés, ça pourrait être cool de temps en temps. Voilà, faire des petits trucs un petit peu plus différents. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez, vous les potes. Allez, défense au max. Oh, il m'a bolé total. Alors là, j'ai défendu, mais comme une brèle. On se prend un 8-0 depuis le début du 3ème quart-temps. J'ai défendu, mais pire que ma grand-mère, quoi. Pire que moi. Allez, mange, mon pote, là. Allez, hop, bien joué ça. Hop, tu as vu dans la raquette. La petite feinte, et on va finir la faute, bien joué ça. C'est dommage, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Et de 1, voilà. On prend nos 2 points d'avance, la team. Du vote qui sort. Voilà, bien joué ça. Toujours pas faux dans cette forme, mon gars. Parfait, toi, amigo. 47-45. 14 points de rebond, 9 passes décisives. Ça passe, ça passe. Interception, non. Allez les gars, défend, ça passera. Hop, c'est moi qui te le dis. Ça passera. Hop, mon pote. Non. Oh, je défends super mal. Je défends. Oh, tu m'as vu. Oh, tu m'as vu. Mais non, mais. C'est quoi cette passe de merde que tu m'as fait là? Hop, je t'ai vu, poteau. Je passe derrière, donc tu t'emballes. Hop, je coupe. Et là, je vais faire. Ah, dommage. Il me la met un petit peu nul là. Je pense que c'est dommage. Hop, tu m'as vu. Hop, au poste. Tu la mets. Ah, c'était pour le double-double en plus, celle-ci. Faut qu'on revienne tranquille, là. Sur Udry, les gars. Il y a moins que je vais mettre cher, en plus, à ce petit meneur, là. Pogazol, qui, lui, va évoluer aux Spurs, les gars, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo NBA Actu, auquel j'en parle. Après, pour parler un petit peu plus NBA Actu aussi, les amis, il faut savoir que c'est une série que je continuerai tout le temps. Bon, pour le moment, il n'y a pas trop de nouveautés, j'ai pas trop de trucs importants, du moins, à vous dire. Mis à part Alan Crabbe, au final, qui va signer... qui va signer au Trailblazers, etc. Enfin, des petits trucs pas forcément très 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 importants. Mais c'est une série que je continuerai. Dommage, Chris. C'est une série que je continuerai une fois par semaine. Quand la saison régulière commencera, je vous ferai un petit bilan de la semaine. Je vous expliquerai, je vous balancerai un petit peu ce qui s'est passé. Je vous mettrai des petits moments, des moments forts, etc. Ce qui pourrait vraiment être sympa. C'est pareil, je vous en reparlerai dans une vidéo spécifique. Mais ça peut ne pas dégueulasse. Putain, on se fait déglinguer dans cette deuxième mi-temps. Un truc de... Mais... On en parlera un petit peu, je vous en parlerai un peu plus, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo spécifique pour vous en parler.
Bien joué ça, Richardson, tu m'as vu. Un petit écran, un petit bloc, s'il te plaît. Voilà, bien joué ça. Il me démarque et je mets. Mais c'est pas trop tôt ça, le 3 points. Allez, mon pote, c'est pas trop tôt. Il reprend un point d'avance, la team. Allez, les potes, 17 points, 2 rebonds, 9 passes des. Le temps mort. J'arrête pas de boire, je sais. Je m'entraîne tous les matins au basket et je m'entraîne tous les après-midi à la muscu, donc. Ça fait ça, ça donne soif, hein, ça donne soif. Avec une petite position, tu vois ce que je veux dire. 17 points de rebond, 9 passes D, les gars. 17 points de rebond, 9 passes D, je sais. Je parle pas forcément beaucoup, hein, je m'excuse vraiment énormément là-dessus, les potes. Ok, le coach qui sort. Il me rentre au début du 4ème carton, les gars. On mène. Ouh, putain, bien, le banc a fait du bon taf, les gars. On mène 61 à 53, pardon. Hop, je t'ai vu, l'ami. Je coupe, tu l'as vu, Et là, je finis. Mais oui, Len One! Bien joué ça! Bien joué ça! Ça, c'est propre! On met Len One, parfait! Parfait la team! Parfait! 20 points, 2 rebonds, 9 passés! Allez les gars, allez, on défend! En tout cas, on fera le bilan aussi à la fin de la saison régulière, je pense qu'on fera, ou de la saison tout court, on fera un peu le bilan de Yu Junior. S'il a fait un peu mieux que Papa Oui, on comparera un petit peu à. Papa Uye Junior au niveau de la première saison faite avec Uye Junior, bien joué Sassan. Et on verra un petit peu, moi, mon point de vue, je pense que Uye Junior a quand même fait mieux que son père pour le moment. Après, on verra. Au niveau du type d'MVP, j'espère l'avoir, mais je suis dans le 33, mais c'est toujours ce Durant de mes couilles. Hop, tu m'as vu, je mets dans le vent. Oh bien, non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, bien joué en fait. Il a mis. Dommage. En fait, c'était bien joué, mais j'aurais dû y aller. Allez, défense. Reviens là, bien joué, belle défense de ma part. Le rebond, bien joué mon pote. Par contre, les deux rebonds, on n'en parle pas. Ah, tu vas finir mon pote, tu vas finir. Tu finis. Mais non, mais là, tu aurais dû la mettre, Didi, en plus, c'est face à tes prochains coéquipiers. Moi, j'ai dans le futur, mon pote. Hop, on y va. Ah, j'aurais pu faire une faute, hein. J'ai de la chance. Allez, les gars, c'est parti, Didi, ouais, je t'ai vu. Faut que je fasse un petit peu de pick and roll aussi. Totalement dégueulasse. Totalement dégueulasse, les potes. Voilà. Hop, je t'ai vu. Bien joué ça. La petite passe décisive pour le double-double. Bien joué ça, mon pote. Allez, 66-53 avec un petit peu de réussite, mais c'est parfait. Je fais pas beaucoup de passes fantasmes, parce que je sais que je le dis souvent, mais. Je fais vraiment pas beaucoup de passes fantasques. J'en fais très rarement. Même pourtant, je suis. Au niveau de mes attributs de meneur, je suis presque à fond. Mais j'en fais pratiquement jamais. Je sais pas, j'ai pas le réflexe de le faire, comme les passes à Crobon, etc. Qui est tout seul, on prend son temps. On la met celle-ci. Voilà, bien joué ça. Là, on était obligé de la mettre, franchement. 23 points, 6 sur 13, on a bien remonté. 3 tirs à 3 points sur 6. C'est bon, au niveau du shooting, on est bien remonté. Au niveau du shoot, on est bien remonté au niveau de tout, en fait. Voilà, je me fais bolos. Allez, intercepte. Je vous rebond. Il la met, dommage. Allez, 55-69, 5 minutes avant la fin du match. Je sais pas comment... on va voir. 3 points, 3 rebonds, 10 passes D. Après, au niveau des playoffs, j'espère vraiment qu'on va. Enfin, mon objectif, ça va être de gagner le titre, hein, clairement. Je t'ai vu encore l'ami. Oh, t'es sérieux. T'es sérieux, mec, mais franchement. J'aurais dû faire un Y pour faire une petite passe en hauteur, là. Interception, non. 4 paires de balles, putain. Ah, c'est le truc qui gâche un petit peu pour moi le gameplay, tu vois. Les 4 paires de balles, c'est vraiment mon. La bête noire, tu vois. Bien joué, ça. Allez, attaque de panier. Pas de prise à deux, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Mais non! Un match difficile. On pourrait croire. Oh putain, dommage. Un match difficile. Allez, mange ta ganache! Un match difficile. Un match très très difficile, les potes. Hop, tu m'as vu. Oh, je suis tout seul. Écoute, on la prend. Hein. Bah écoute, tu défends mal sur moi, on le prend. Hein. Là, franchement, je me fous de plaisir. Hein. Y'a pas de soucis là-dessus. Y'a pas de problème, frérot. Allez, 56-72 la team. Défense. C'est la mauvaise défense, mon pote. D'où tu fais ça, s'il te plaît? 26 points, 4 rebonds, 10 passes D à 57% en 3 points. Hop, je t'ai vu, Chris. T'aurais dû prendre le shoot, hein. T'aurais dû prendre le shoot, l'ami. Hop, tu m'as vu. Tiens, mon pote. Mais non, mais mec, mais. Mais t'es sérieux, mais mec, quoi? Non mais avouez là, franchement, c'est du manque de peau total, sans déconner. Là, c'est du manque de peau total. Sans déconner, 6 pertes de balles. Là, je te fais une papaouille.
Tout à l'heure, on parlait de la comparaison de Papa ou Junior, mais là, s'il te plaît, c'est parfait, là. Là, c'est parfait, s'il te plaît. 6 paires de balles, mais mec, t'as des paires de balles, mais elles sont pourries, quoi. Oh, putain. Hop, tiens l'ami. Tu m'as vu à droite. Tiens mon pote. Faut que je... Faut pas de plus de paires de balles, là, sinon c'est la cata, les mecs. Sinon, c'est la cata, s'il te plaît. Hop, tu m'as vu, je suis tout seul. Je suis tout seul, mon... Ok, bon, écoute. C'est dommage, j'étais tout seul, j'aurais pu prendre un shoot ouvert, mais bon, c'est pas grave. Allez, 51-72, il a. En plus, j'ai demandé le ballon, il a même pas voulu me le filer, ce schlag. Allez, défense les potes, il reste 3 minutes 40 là. Je pense que le match, il est gagné pour nous. Défense, les gars, défense. Oh là là là. On a des moments en fait comme ça. Bon, après, je comprends, on a un petit peu d'avance, il y a un petit peu de laisser aller, tu vois, mais. Mais il y a des moments comme ça où on galère un petit peu. Hop, tiens à droite. Bien joué ça. Voilà, bien joué, on se passe des, c'est parfait ça. Une petite 12ème, une petite 13ème serait parfait pour les stats. Ce serait parfait pour les stats. J'aimerais bien avoir 10 passes décisives de moyenne par match. Ça serait super cool. Même si ça m'étonnerait que je les fasse, sauf si j'arrivais à faire un match à 30-40 matchs. Après, c'est pareil, il y a un petit truc aussi. Bientôt, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, les amis, lien dans la description. Bientôt, on fera. Je vais faire les 100 points d'un match. On fera pas mal de records. J'essaierai pour le mois d'août, en attendant évidemment NBA et puis mois de juillet, en attendant NBA 2K17, de faire des petits défis. Comme 30 points, 30 passes ici font la match, 100 points la match, on tentera les 200 points aussi si j'arrive à faire les 100 points. Enfin bref, hop, c'était pas pour lui. J'ai un peu de chance, mais c'était pas pour lui. Franchement, là, je valide vraiment la perte de balles, c'est un truc de ouf. 63-76. 26 points, 4 rebonds. Ou de passe décisif. 63-76, la team prend du temps pour toi, effectue des tirs lucides, me dit le petit avec des familles. Écoute, il reste 2040, c'est ce qu'on va faire. Défense les gars. Voilà, bien joué, c'est le 5ème rebond les gars, là on remonte. Je divise du wide à droite. Hop, on prend le shoot, on prend le shoot et on le met en calme. Ah, c'est dommage. Il y a mon chat qui fout le bordel. Allez, 63-76. Interception, non. Oi, 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 oi. Je pense que je galère de ouf. C'est un truc de malade, les gars, sur ce gameplay. Surtout mon commentaire, en fait. Je galère à commenter. Franchement, je m'excuse vraiment là-dessus. Il y a des fois... je sais pas... Oh, bien joué, c'est en niveau dunk. Mais oui, le dunk. Bien joué, ça. Allez, mon pote. Bien joué ça. Brrr. Tu vas faire quoi pote? 28 points sur le bon space day. Franchement je m'excuse vraiment, il y a des fois j'ai vraiment... je suis vraiment en mode galérien sur cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo mais... franchement il y a des fois comme ça où tu galères comme ça, comme je l'ai dit, je galère tellement. C'est un truc de ouf, hein. C'est même dans ma tête quand c'est comme ça je me... J'hésite à recommencer carrément la vidéo quand c'est comme ça mais après... les vidéos Macar c'est plutôt compliqué à recommencer. Parce que t'es pas aussi frais que la première vidéo, tu vois. Quand tu recommences une vidéo, c'est pas aussi frais, t'es pas aussi bien. Ça vient tout seul et là, je galère. Donc, tu sais que c'est. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo aussi longue de 40 minutes comme ça en off. Donc, c'est vraiment compliqué. Et faut bien une reprise à tous les amis. Et franchement, c'était vraiment. Voilà, enfin, voilà. En gros, je m'excuse. J'espère que vous comprendrez. Mais bien joué, ce petit 3 points des familles. Enfin, vraiment, vous comprendrez, après j'essaie de bien jouer derrière, mais je galère totalement au niveau de mon gameplay. Vous le remarquez hein, clairement, hein, mais. Ah, puis j'aime pas ça, tu vois. Quand c'est un peu comme ça, des fois tu. Après, j'évite de trop parler aussi pour pas forcément forcer, tu vois, dire n'importe quoi, dire de la merde, dire des trucs inutiles, etc. Donc bref, je m'excuse vraiment, j'espère que vous comprendrez. Allez, 47 secondes avant la fin du match. 66-81, ouais, le match il est pour nous les gars, on l'a gagné. Hop, écoute, on y va tout seul, il me laisse y aller. T'es sérieux mec? T'es sérieux le drill là? Tu me laisses pas dunker? T'es comme ça toi? T'es comme ça toi? D'accord, hop, la défense les gars, il est comme. 68-81 la team. 68-80, 30 secondes avant la fin du match. Bien joué ça. Allez mon pote, tu finis. Bien joué ça. 12ème passe décisive, c'est propre. Je voulais en avoir 12 ou 13, c'est parfait les amis. Allez, 24 secondes, on l'a gagné, bravo. Un match ô combien compliqué au niveau de moi. Un match tellement dur. Tellement pas parfait, c'est positif, ça c'est bien aussi. On va tenter le petit buzzer. Mais au final, on l'a fait. J'espère que la vidéo vous a rappelé en tout cas. Tout de même, il va pas le prendre le shoot.
dommage. Fin du match, les amis. Belle victoire de notre part face aux Bulls. On renoue avec la victoire après la défaite qu'on a vue face aux Trailblazers. Dernier match, les amis, que vous avez vu avec Junior et le Heat en saison régulière. Maintenant, place au playoff, les potes. On fera peut-être un petit entraînement avant les playoffs, histoire de se chauffer un petit peu et de se remettre bien un petit peu. Peut-être que j'aurais dû faire un entraînement avant de me remettre à faire une vidéo comme ça. Alors, 31 points sur tout le monde, où se passe un contre à 9 sur 19 malgré mes 6 paires de balles. Peut-être que j'aurais dû faire une petite vidéo sur le... en training avant de, histoire de me remettre un petit peu dans le bain, etc. Mais bref, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu quand même. Combien de tribus allons-nous voir encore? Bref, combien de match? J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu quand même. J'ai vraiment galéré, je m'excuse vraiment, vraiment, franchement, du plus profond du cœur. Je pense que vous le voyez que ça fait vraiment chier quand même d'avoir galéré, mais je suis pas vraiment chaud. Voilà, c'est une reprise, donc c'est comme ça. Bref, c'était paf, je fais des gros bisous sur la FFS. Je vais me tracer à faire une prochaine vidéo sur le mode Macar, histoire de vous faire oublier ce commentaire un petit peu bizarre lors de cette vidéo. C'était paf, en tout cas je fais des gros du seul FFS. Je vous laisse le meilleur moment du match, c'était paf du seul FFS. Peace.